Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Otaru. Aujourd'hui nous allons parler des ongles. Oui, je suis sûre qu'il y en a un d'entre vous qui se met, enfin en tout cas qui a cette manie de se mettre les doigts à la bouche. Mais ne le nie pas, je le sais. Ou en tout cas tu connais quelqu'un de ton entourage forcément qui les met H25 dans la bouche. Attends, il y a au moins une personne, c'est obligé. Non mais je vais vous expliquer en fait ce qui se passe là. J'ai tendance à me ronger les ongles. Mais depuis longtemps, et quand je vous dis longtemps, c'est limite si quand je suis sortie du ventre de ma mère, je ne les mettais pas déjà à la bouche. Non mais c'est insupportable, insupportable. Et j'aimerais arrêter. Non mais je vous jure, c'est comme une drogue les ongles. Comme une drogue, tu ne peux t'en passer. Quand tu as commencé, c'est fini. Fini. J'ai déjà fait des tentatives de les laisser pousser. Quand je vois un petit bout qui dépasse blanc, parce que tu vois quand ça pousse, c'est blanc là, ce truc-là. Non, ça va à la bouche. Qu'est-ce qui m'a pris, lui? Non, c'est sa corde. Excusez-moi. Non, mais je m'énerve en plus. J'ai déjà chaud rien que de parler de ça parce que ça me saoule d'avoir cette manie là de tout le temps. Je vous jure. Et ça m'arrive souvent quand je fous rien. Voilà. Quand je suis devant la télé, quand je parle à quelqu'un. Tant que j'utilise pas mes mains, je suis obligée de les mettre au moins une fois dans la bouche. Et encore, je suis gentille, je dis une fois parce qu'en vrai, c'est 36 fois. Hein. Et encore. Franchement. Il y a toujours mon entourage qui me dit « Océane, les doigts à la bouche! Océane, il y a des microbes sur les doigts! Océane, tu vas perdre un doigt un jour si tu t'infectes! » Mais ils ont raison en plus, ils ont raison. Mais moi, ils peuvent me dire n'importe quoi, tant qu'il ne me sera rien arrivé, je vais continuer, continuellement en fait, à les mettre à la bouche. C'est machinal chez moi, je vous jure. C'est... Oh là là, non mais rien que de vous dire, c'est vraiment horrible. Non mais imaginez-vous... En train de toujours mettre les doigts à la bouche alors que vous savez les circonstances pardon, qu'il y a derrière. Imaginez-vous ça. C'est même, je vais vous dire une anecdote, tiens. Quand j'étais plus petite, parce que maintenant je prends des douches, c'est plus rapide tout ça, mais quand j'étais petite, j'avais tendance à prendre des bains. Eh ben moi, je mettais des jouets, oui, voilà, pour m'amuser, le temps de bien être propre, tout ça. Mais non, j'ai joué 5 minutes. Après les jouets, ça allait sur le côté, je m'attaquais à mes doigts. Mais je vous assure, parce qu'en plus, quand t'es dans l'eau, ben tes doigts, tu sais, sont fripés, tout bizarre, nanana, ben là, j'ai encore plus envie de les mettre à la bouche. Non mais parce qu'il y a un parce que, ben oui, forcément, sinon c'est pas drôle, tu te doutes bien. Et quoi? Oula, je démonte tout, hein, ben oui, hein, autant qu'à faire, hein. Tant que nous y sommes. Calme, Océane, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ce que tu racontes. Voilà, ne stresse pas, ça suffit. Je m'attaque aux ongles, mais à la peau également. Alors, par contre, la peau, c'est autre chose. Hein. Je vous avouerai que je me suis fait saigner une perte de fois. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui. Je me suis fait mal plein de fois, hein, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Hein. Bah oui, forcément. Non, mais je suis une psychopathe. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je suis cannibale, tout à fait. C'est le cas de le dire. Hein. Limite les ongles et la peau. De mes doigts, ça fait mon repas de la journée, hein, je te jure. Hein. Limite, je peux l'utiliser le matin, le midi et le soir. Hein, non, mais tant qu'à faire. Oh, voilà. Je te jure, hein, tu meurs pas de faim avec les doigts. Hein. Et comme moi, mes parents, ils me disaient souvent ça, mange ta main et garde l'autre pour demain. Ben oui, si aussi vous me dites ça, c'est logique que je vais continuer à les mettre à la bouche. Non, bon, bien sûr, je rigole. Hein, je les mettais pas à la bouche quand ils me disaient ça, hein, sinon je serais bien conne. Mais franchement, c'est horrible, je vous assure. Non, mais c'est vrai. Je suis sûre que tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont toujours les doigts à la bouche, vous allez dire pareil, et que c'est de la folie, que vous aimeriez bien arrêter, mais il n'y a aucun remède. Enfin, si, il y en a un. Il y a un remède. Je l'ai essayé, ce remède. Ça n'a pas marché. Non, mais pour vous dire jusqu'où je vais. Il existe les vernis amers que tu mets sur le doigt pour plus te les mettre à la bouche. Et je vous assure que moi, ça ne m'arrêtait pas. Je continuais à mettre les doigts à la bouche. Bah oui. Alors que le goût, il me prenait bien là. Tu vois, il s'arrêtait bien là, au milieu de ta trachée, là. Ah bah oui, bah je peux te dire que ça ne me dérangeait pas. Moi, je m'en foutais. Hein. Je continuais. Et je continuais. J'ai dit, bon, c'est bon, le vernis, ça marche pas. On va stopper là. Hein, parce que soi-disant, c'était très efficace. Il y en a beaucoup qui ont arrêté grâce à ça. Bon, bien sûr, je le crois. Hein, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté grâce au vernis dégueulasse. Hein. En plus, ça n'avait même pas de goût. C'était juste très, très acide, bizarre. Voilà, t'avais l'impression de manger un produit ou comme si tu mangeais. Comment on appelle ça? Un désinfectant, enfin bref, pour les doigts ou. Comment ça s'appelle là quand vous enlevez le vernis hein? Oh bon, passons, vous voyez de quoi je veux parler. Mais je vous assure, c'est. C'est chiant. Voilà, tout simplement, c'est très chiant. Et du coup, là, j'ai souvent fait plusieurs tentatives. Je me suis dit, je vais arrêter quelques jours, même si je vois mes ongles, il faut absolument pas que je les mette à la bouche. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui. Franchement, j'ai fait une tentative, ça fait au moins 4 jours que j'ai arrêté là. Donc j'espère que je vais réussir
ce challenge, parce que c'est un peu un challenge, d'arrêter les doigts, quand même. Arrête. C'est comme si t'arrêtais la cigarette, en fait. Hein. C'est comme si t'arrêtais toute chose qui te pourrit la vie. Je vous assure. Non, mais les doigts, c'est comme la drogue. Non, mais je vous assure, c'est vrai. Non, mais croyez-moi, c'est comme la cigarette, l'alcool, tout ce que vous voulez. C'est machinal, c'est un truc de vie, c'est ton quotidien, c'est limite ta routine de la journée, quoi. C'est les doigts, les doigts. Alors, quand je les mets à la bouche, j'avais parlé à mon chéri il y a quelques temps, j'ai fait, bon, si tu me vois les doigts à la bouche, tu me donnes une tarte sur la tête et au moins on n'en parle plus, hein. Voilà, je m'arrête. Sauf qu'il avait beau me faire ça, il avait beau me taper. Non, mais doucement, attention, hein, c'est pas un violent, hein, commencez pas à vous exciter. Ouh! Non, non. Mais. Excusez-moi, ça me gratte là, du coup ça me calme un peu. Ah voilà, un petit massage crânien. Donc je disais, oui voilà, donc il avait beau me tarter, ça ne marchait pas. Je lui disais, bon c'est bon, de toute façon je tiens pas, gna gna gna. En fait, au pire, si tu pars négatif aussi, c'est sûr que ça va pas marcher. Attends, si je pars dans le fait que je vais continuer à me les ronger, que ça va pas marcher, et tout, c'est logique que je vais pas réussir. Et là, je me suis dit, il faut que je réussisse, il faut vraiment que je me laisse pousser ces putains d'ongles. Ah, on va y arriver, hein. On va y arriver. Non mais en plus je vois des petits. Là il y a du blanc là, tu vois ça pousse bien quand même. En 4 jours, il y a quand même un petit millimètre, tu vois. Ah, bon, c'est pas rien, c'est pas rien. Attention. Et du coup on verra un peu plus tard si j'ai réussi ce challenge. Hein. Je ferai une vidéo de conclusion de les. Pardon, j'allais roter. Ouh, ça aurait fait une belle fin, tu vois. Le ouh, voilà. Bon, j'arrive pas à faire semblant de roter, c'est bon. Calmez-vous. Faites-le à ma place, voilà, hein. Tu me dis dans les commentaires, voilà, j'ai roté pour toi, Océane, c'est bon, allez, affaire classée. Mais voilà, donc on verra bien si j'ai réussi. Bon, bien sûr, je vais pas la publier demain, la vidéo, parce que ça aura pas changé de ouf, tu vois, il faut vraiment attendre quelques semaines, quand même. Et voilà, et je vous dirai dans quelques semaines, bah, si ça a marché, hein, si j'ai réussi ou pas. Et j'espère, pour la moindre, que j'aurai réussi, quand même, que ce serait chiant, tu vois, de ne pas avoir réussi ça. Voilà, oh là, c'est dur. Il n'y a pas un patch qui existe pour le doigt. Voilà, comme ça, hop, t'as le patch. Allez, nickel. Voilà, il existe le patch de la cigarette. Pourquoi pas des doigts? Des doigts, non. Non, non, il te donne des petits trucs à mettre sur les doigts. Gna, gna, gna. Moi, ça marche pas. Moi, ça marche pas. Non, mais voilà, les scientifiques, je vous le dis. Moi, ça marche pas, votre vernis. Ça marche pas, votre truc. Voilà. Au pire, ils vont me chercher un autre truc, tu sais. Ils vont te dire, ok, Océane, ça marche pas, mais c'est très simple. On va te couper les doigts. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va te couper les doigts. Au moins, tu seras sûr de pas les mettre à la bouche. Eh ben, écoutez, monsieur, je vais attaquer ceux des pieds. Hein, si vous m'arrachez les doigts de devant, on va faire ceux des pieds. Non, mais ça existe en plus, les gens qui se bouffent les doigts de pied. Hein. Je vous assure, j'ai déjà testé une fois. Non, mais je vous le dis, voilà, ouais, un truc dégueulasse sur moi. Voilà, j'ai déjà essayé, testé de mettre mon pouce à la bouche. Bon, je pense que tout le monde a essayé de voir sa souplesse, nanana. Et bon, aussi, voilà, c'est vrai que j'ai goûté un peu. Mais après, je me suis dit que c'est nul, hein, franchement, que c'était désagréable, c'était bah voilà quoi, c'était encore plus dégueulasse que de se mettre les doigts à la bouche. Mais en plus, c'est vrai, les gens, franchement, il faut réussir à arrêter de se ronger les ongles parce que c'est les mains, c'est où on a le plus de microbes, c'est où on touche tout, c'est avec les mains qu'on fait tout en fait, hein. Genre, moi j'ai en plus là, moi je prends les transports communs. Alors imaginez-vous tous les gens qui touchent les barres et tout, et eh ben moi, c'est pas ça, c'est que je suis chiante. C'est que je mets bien ma main sur la barre, nanana. Je sors du bus et vas-y dans la bouche. Tous les microbes, là, je te dis pas, les maladies et tout ce que tu en suis. Ah ben oui, hein, forcément. Oui, toi, tu veux dire bonjour, j'ai compris. Bonjour, oh, mon amour. Tu me soutiens? Oh, il me soutient. Oh, il me soutient, bébé. Il me soutient, voilà, il me soutient. Lui, il a de beaux ongles, là. Moi, j'ai pas des beaux ongles d'elle. Il est mignon, ce petit boubou. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et j'espère pour ceux qui se rongent les ongles que vous allez finir un jour à vous arrêter. En tout cas, moi, je me bats, hein, comme je peux, mais je me bats. Voilà, j'essaie de me soutenir moralement, etc. Mais ça devrait marcher, hein. Non, mais je vous assure, hein, dans quelques semaines, vous verrez l'état de mes ongles, ils seront magnifiques, tu auras des ongles comme ça. Non, je plaisante, je ne les pousserai pas jusqu'à là quand même, hein. Faut pas exagérer, je ne vais pas m'inscrire dans un livre de records ou quoi, hein. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle, hein, du coup. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes loulous.